Cela dit, c'est le mercredi 23 août prochain que l'appui du président de l'Assemblée nationale va arriver au Burkina Faso. Le programme des obsèques prévoit l'inhumation de Salifou Diallo le vendredi prochain à Waïouya, sa ville natale. Ces informations proviennent de l'Assemblée nationale où les députés se sont réunis ce soir même. Ibrahima Sombié et Tanga Kafando. C'est une réunion des députés élargie aux fonctionnaires parlementaires. La presse mise à l'écart. Le huis clos dure environ une heure. À la fin de la rencontre, l'objet est maintenant dévoilé. Il s'agissait de se donner en famille toutes les informations ayant trait à l'organisation des obsèques du président de l'Assemblée nationale, Dr Salifou Diallo. D'abord, dès demain, lundi à 10h, nous allons recevoir son Excellence, Monsieur le Président du Faso, ici même, à l'hémicycle, qui va ouvrir un livre de condoléances au nom de notre président, Dr Salifou Diallo, pour les témoignages de la République, pour les témoignages des présidents d'institutions, pour les témoignages de tous les citoyens, de tous ceux qui ont connu et aimé le président Salifou Diallo. Je pense que dans peu de temps, vous aurez le chronogramme officiel. Dois-je vous dire qu'en principe, la dépouille arrive mercredi aux environs de 16h et l'inhumation est prévue pour se tenir à Waïouya le vendredi. Donc vous aurez tout un chronogramme précis parce qu'il y aura également des hommages dus à son rang. C'est le palais des sports qui a été retenu pour faire ses hommages et bien sûr avec un passage obligé à l'hémicycle, ici au Parlement. Une décision de l'Assemblée nationale se rendra à Paris pour participer au rapatriement de la dépouille.